Hey, c'est tout le monde, c'est la Pizza Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau, une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon casier. Donc nous avons la Noctura, donc j'en ai assez beaucoup, comme vous voyez. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, nous avons du coup que, alors du coup, je vous le dis déjà, le 24 juillet, on va donner des skins, peut-être ces cartes-là, peut-être les donner, peut-être des skins épiques, je ne sais pas encore. Donc tout de suite, on commence avec la Noctura et le Luminex, donc qui fait partie de même, du même genre là, donc voilà, donc néon, c'est que j'ai bu du coca, ça me... Ça me remonte. Après le éclair pourpre, donc qui fait partie des trucs Yukong et de la fille, comme ceci, du Yukong, enfin voilà. Après nous avons la chauffarde, donc la chauffarde qui fait partie de Course Royale, l'équipe de la saison 2. Qui est de la saison 2, puis qui fait partie des chevaliers, que je trouve assez stylé. Ils ont, je trouve qu'ils ont changé quelques trucs, ils sont plus brillants, la Fulgura qui fait partie de la dominatrice de Dusty Boy, donc je la trouve sympa. Donc le carrière radieux frappe juste, donc il frappe tout le temps juste. L'Hyperion, donc le gladiateur de Critique Rouge, c'est de la merde, Crazy. Du coup, il n'y aura plus de Crazy Grove, enfin, il y en a déjà plus avec le Parker. Et ouais, donc il y a meilleur, oui, il y a plus que deux Steady Dépôt en ailleurs, c'est du Steady Vaux. Pisteuse, donc comme le bonnet bleu qui est juste ici. Après nous avons la semblance qui est assez stylé, si enfin, je vais montrer après le skin, si on enlève le sac il est trop stylé. Donc après nous avons la terreur fluo, soleil et arc-en-ciel qui est hyper stylé. Après nous avons la zéro absolue, commandant arctique, la dribbleuse, si je me trompe pas. La dribbleuse, oui, c'est ça. Le Desperado que je donne, effectivement. Je vais peut-être le donner, à mon petit cousin. Donc le bonnet bleu qu'on a en plus. Le vrai circuit, donc, que je trouve hyper stylé. On va voir ça, parce qu'il y en a tellement. Je crois que c'est avant-centre virtuose. Je trouve assez stylé, bah, pour la France, quoi, pour l'euro. L'assassin arctique contre Cobay, comme le zéro absolu, il est hyper stylé. Et clairement, je les aime. Donc passons aux épiques. Donc la Zoé, du poste de combat saison 4, que j'aime beaucoup. Ça fait rêve, enfin, ça a fait partie des vilains. Le Victorion qui fait partie des gentils. Donc ils sont sortis, c'est ceux-là de la saison 5 parce que c'est super héros. Le roi de la roue de la saison 3. Donc je le trouve stylé. Enfin je le trouvais stylé, je le trouve assez nu maintenant. Enfin je vois presque personne l'avoir. La sauteuse de la saison 5, effectivement. Donc voilà. Donc je trouve assez stylé aussi. La secrétaire de guerre, que je trouve hyper stylé avec des trucs, des cartouches de pompe. Ah ça je la trouve super bien. Je pense. Hyper stylé, pardon. Le soldat funky que je vais donner parce que sans faire exprès je l'ai pris. Mais je ne voulais pas, je voulais prendre juste sa pioche. Je vous la montrerai après. Après le soldat toxique, que je trouve hyper stylé, ça fait comme l'astronaute qui est là, mais en meilleur. Bon, le spationaute, donc du coup,
saison 4, saison 3, le tagger de la saison 3, parce que du coup on a eu les tags de. Ben, on a eu de la saison. Saison 4, pardon. La saison 4, on a eu des tags, enfin ils sont sortis et on a eu cela. Après le tri, le tirailleur bleu, donc qui est hyper stylé, surtout son sac. Donc aussi PlayStation Plus comme le bonnet bleu, mais maintenant on a au moins un skin qui est bien stylé. On dirait le brise-circuit, comme je vous ai dit, il est hyper stylé. Moi je trouve ça stylé. Le Monsieur Thomas, donc de Tom, la livraison de tomates, de pizza. Oh, donc qui fait partie du Monsieur Tomate, enfin de Tomato Town. Le mitrailleur fluo, donc le terreur fluo est pareil, sauf que là la sterne d'ours. là nous avons le marteau pilo qu'on a de la saison 5. La ligne rouge qu'on a dans la saison 5, effectivement, et il est comme l'aigle de la nuit que je vais montrer après. Le faucon, il est dans la saison 4. Donc je trouve, je l'ai jamais pris. Je l'ai jamais pris. Donc voilà. Après le lapinesque bagarreuse, donc c'est un skin de bac. Donc voilà. La graffeuse, donc comme le tagger pour les tags, quand je trouve assez bien, mais je préfère caler son masque comme lui. Le bon, je la trouve aussi stylé. Après, nous avons la fugitive qui est hyper stylée, je trouve. J'aimais pas le garçon, malheureusement, je l'ai pas. L'exploratrice lunaire, donc l'exploratrice lunaire qui fait partie de la saison 3 pour la météorite qui venait de venir, où il y a le skin qui est sorti de la météorite que je vais vous montrer juste après. De toute façon, vous le savez, la dame d'acier que je trouve pas moche, enfin, de toute façon, je vais peut-être le donner. Donc, pour les concours, pour ceux, déjà, je vous donne une chose, celui-là il va déjà à quelqu'un. Je vous donne un truc, si vous mettez 10 likes ou 15, je vous passe la dame d'acier et je vous donne l'éclaireur poupre si vous voulez. Donc pour l'instant je vous donne que cela. Si vous mettez 15 likes dans cette vidéo, je vous donne surtout la et l'éclaireur poupre. Nous avons la chef de section dans la saison 4. Saison 5, la chasseresse qui est hyper stylée. La saison la finesque. De la saison pack, l'ailier du pack à 5€, l'aigle de la nuit, comme je vous l'ai dit, donc c'est la même, hein. C'est bien la même, hein. C'est l'aigle de la nuit, hein, comme nous. L'agent secret, je vais faire passer peut-être l'agent secret si vous mettez par contre 20 likes dans cette vidéo. Allez, on y croit, de toute façon. Donc, du coup, l'agent rebelle. 5€ aussi. Agent d'élite, donc de la saison 3. C'est de la saison 3. Agent anti-risque. Il est comme le. Nous avons le Yukong que je trouve hyper stylé. Nous avons le voyageur nord de la saison 3. Le voleur de cœur des trucs de la saison des amours. Le Vertex, pardon. Il est de la saison 4. Il est des super-héros. La Valora est des super-héros aussi, de la saison 4. Le Triceratopin, par contre, je sais plus quand il est sorti celui-là. Le Terreur des airs. La Terreur des airs ou Terreur des airs. Oh, je sais plus. Je trouve stylé. Mais bon, voilà. Le Rex, qui est sorti bien avant. Il y a bien longtemps. Le Rapace qui est sorti, je vous passe un peu les skins après. Le Molosse de guerre, le Magnus, le Léviathan, le Présage que j'aime beaucoup, le Omega, tout entier, donc il peut avoir les styles, hein, bien sûr. Nous avons le normal, avec son bouclier, les jambes,
les bras, la tête et les couleurs. Donc les couleurs, les voilà, rouge, vert, violet, ça fait moitié bleu. Et orange, je trouve ça hyper stylé qu'ils ont fait ça. L'Oblivion, donc là, je dis ça comme ça, la femelle, enfin la femme Oméga, je la trouve hyper stylée. L'expert des Kalings comme le voleur de cœur, donc pas ça va, hein. Le homme poisson, je sais pas pourquoi il est sorti. Le faucheur, donc qui est sorti dans la saison 3. Et le visiteur qui vient de la météorite. Ensuite, nous avons la destinée, la fille, la femme, Carburo, le corbeau, la chevaleresse rouge qui est sortie de la saison 2, mais il est revenu, et on a eu beaucoup de chance. Le Carburo, donc aussi comme l'Oméga, base 1, enfin. Et j'ai juste de rentrer, hein! Oh non! J'ai juste de m'y mettre! L'attaquant de l'attrape-mouche, et nous voilà avec le Ragnarok. Donc je n'ai pas tout à fait fini encore, il y a beaucoup de choses. Donc la phase base, hein, la base 1 et 2. Donc voilà, je vous montre aussi les pioches, j'ai pas enfin les sacs. Donc de toute façon, je en même temps que je prenne un live, je vous montrerai la fin parce que là ça va. Je vais juste vous montrer les pioches, les sacs que je vais montrer plus tard parce que j'en ai ouais, pas beaucoup, mais bon voilà, je préfère que ça fasse ça, donc je vous montrerai plus tard. Les gars, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis bye bye.